Invitée sur le plateau de l'émission de Samzira, diffusée sur YouTube, Manon Aubry, députée européenne LFI, a révélé les raisons pour lesquelles elle a décliné les invitations de Cyril Hanouna. Une chose est sûre, la femme politique ne participera pas de sitôt au débat proposé dans « Touche pas à mon poste ». Militante associative, Manon Aubry a été porte-parole pour l'ONG Oxfam France. En effet, elle a été nommée à la commission pour lutter contre l'évasion fiscale et les inégalités sociales. Ce, avant de se lancer en politique. Et en 2024, elle a été réélue députée européenne sous la bannière LFI. La femme politique de 34 ans a toujours mis un point d'honneur à lutter contre les inégalités. Et elle met aussi un accent particulier sur la justice fiscale. Malgré tout, elle refuse de venir débattre et défendre ses points de vue sur le plateau de Touche pas à mon poste. Face au blogueur Samzira, l'intéressée en a dévoilé les raisons. Aux commandes de TPMP depuis 2010, Cyril Hanouna décrypte aussi l'actualité politique. Et au fil des années, cela n'a cessé de s'intensifier. Bien que certains chroniqueurs continuent de lui tenir tête, à l'instar de Gilles Verdez, le trublion de C8 semble toujours avoir le dernier mot. Bon nombre d'invités en ont également fait l'expérience. C'était notamment le cas du député LFI Louis Boyard, qui s'en était pris au milliardaire Vincent Bolloré, propriétaire du groupe Canal+, dont fait partie C8. Dans l'émission de Samzira, Manon Aubry a tenu à le rappeler. Et selon ses propos, celui que ses fans surnomment Baba ne manque jamais une occasion de critiquer et même d'insulter les membres de son parti politique. La coprésidente du groupe de la gauche refuse ainsi de se rendre sur le plateau de TPMP. C'est à travers son engagement politique que Manon Aubry continue son travail associatif. Depuis plusieurs années, elle a plaidé pour la taxation des plus riches. Et la députée européenne LFI défend ses points de vue au nom de la démocratie. Toutefois, elle ne semble pas vouloir tenir tête à Cyril Hanouna sur le plateau de TPMP. Reste à savoir si l'animateur de C8 prend en compte ses critiques.